Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vais vous expliquer pourquoi la soirée de Nantes a tapé poteau. Amen, Kamer. Nantes où tu étais là, j'ai grandi là-bas. Nantes où tu étais là. Les gens de Nantes détestent les gens mal élevés. Tu peux demander à tous ceux qui sont à Nantes. Les gars de Nantes ont un seul défaut. Les gars de Nantes, ils ont un seul défaut. C'est leur amour pour les femmes. Sinon, les gars de Nantes, les insultes là, les gars de Nantes ne sont pas dedans. Humilier les femmes, les gars de Nantes ne sont pas dedans. Mépriser la femme, les gars de Nantes ne sont pas dedans. Tu vas constater à Nantes que quand un homme est sorti avec une femme, même quand ça se gâte, il ferme sa bouche. Il peut sortir avec 3, 4, 5 femmes, il n'y a pas de problème. On sait qu'ils sont infidèles. Mais aller humilier la femme, dénigrer la femme, insulter la femme, les gens de Nantes ne sont pas comme ça. Va bien te renseigner. Et la plupart des gars de Nantes travaillent tous. Je dis la plupart des gars qui sont à Nantes, ce sont les bosseurs. Ils multiplient le travail. Tu vas voir quelqu'un, il travaille à Carrefour. Le soir, il est encore DJ. Kimo Merlin, le village brille. Le soir, il est encore DJ dans une boîte de nuit. Tu vas voir quelqu'un, il travaille, il fait le gardiennage dans une société dans la journée. Le soir, il est plongeur dans un restaurant. Les gars de Nantes n'ont pas peur du travail. Ils n'ont pas honte de se salir les mains pour gagner leur vie. Je dis que les Camerounais qui sont à Nantes, ils n'ont qu'un défaut. Ce sont les femmes. Sinon, dans l'ensemble, les gars de Nantes sont prêts. La soirée de Nantes, parce que tu crois que comme je n'ai pas parlé, j'ai seulement taquiné là. Je ne peux pas parler. La soirée de Nantes, ce n'est pas la première fois qu'il y a cette soirée-là à Nantes. Je connais tout Nantes. Nantes, c'est comme ma poche. Mes étoiles libérées d'abord les cœurs, partagez le live. Salomon, le village brille. Georgette, le village brille. Choco Landry, le village brille. C'est vrai, ma fille a travaillé à Nantes. Merci, Choco Landry. Je dis qu'on peut tout dire des gars de Nantes, mais ce ne sont pas des gars mal élevés. C'est-à-dire, à Nantes, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec les gars de Paris. C'est-à-dire, tu as l'impression que le Camerounais ne sait pas dire mouf. Nantes, ce n'est pas la racaille. Nantes, ce n'est pas votre banditisme de Paris. Nantes, ce n'est pas la... C'est-à-dire, ce n'est pas la gnognotte. Les gens en province ont une façon de vivre. Quand t'as tout le village, brille mon bébé. Les gens en province, ils ont leur façon de vivre. Attends mon cœur. Les gens en province détestent le bruit négatif. Ils n'aiment pas se faire voir dans la saleté. Il faut que tu notes ça. Je ne voulais pas décrypter ça par respect pour Maman Pépé, par respect pour Amélie. Mais comme tu veux t'amuser, laisse-le vite. Comme tu veux t'amuser à parler, on va parler vite fait. Mes étoiles, on a tout autre 15 minutes. Parce que moi, c'est la journée férie aujourd'hui. J'ai beaucoup de ménage à faire. Demain, je travaille. Donc, c'est mon seul jour. Lucas, viens. Attendez mes étoiles. Lucas, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et alors tu vas voir papa qui est juste à côté de toi mon cœur. Donc tu vas voir papa s'il te plaît. Lucas, tu veux que je fasse ce que j'avais prévu de faire? Voilà. Mais c'est toi, libérer les cœurs, partager le live. Merci là-bas. Mais mes étoiles, c'est-à-dire la maison, si. Le père est dans une chambre comme ça. Les enfants sont à droite, même pas 3 mètres qui les séparent. Mais s'ils ont les problèmes, c'est moi qui suis loin ici, qui vont appeler. C'est-à-dire, on peut souffrir comme ça. Qui me fait ça? C'est quoi ça? Yeah, qu'est-ce qui me fait briller le village comme ça? Amen, amen, amen. Libérer les cœurs. Sam Chagnon, la dimension, tu étais où mon étoile? Matisse! Attendez mes étoiles, c'est le chantage qu'on me fait. Matisse! Arrête de pleurer comme une pignou. Viens.
attendez d'abord mes étoiles. Vous savez que la mer ici. Mais le père est là, non, mon étoile. Je suis en train de travailler. Dorian Noute, le nombre de fois où elle crie matin, Masakura Noute, ne peut pas comprendre le nombre de fois où elle crie. Dorian Noute, tu ne comprends pas quoi. Libérez les cœurs, mes étoiles, la page est restreinte. Libérez les cœurs, partagez le live. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais tantôt, je ne décrypte pas ça. Et j'ai des endroits où je ne vais pas décrypter par rapport à Mama Pépé. Mais Amer Kamer, Sam Chagnol, Amer Kamer, le père des poussins. Là où tu étais, Sophia Lynn, le village Brin, là où tu étais là, c'est mon fief. J'ai dit que tout Nantes là me connaît. Il n'y a pas une maman qui peut mal te parler de moi, tu as déjà dit ça. Il n'y a pas un papa, il n'y a pas un jeune qui peut te dire que oh, l'étoile crie bien. Parce que nous là-bas à Nantes, on est comme ça. On s'aime tous, on se respecte tous. À Nantes, c'est l'endroit où quand tu viens, chez Minaket, le village, quand tu viens, tu n'as pas le kaolo. Ton frère va te dire que va frapper là-bas. Ton frère va te prêter son kaolo, que va travailler. Tu ne vas pas entendre que oh, c'est monté, c'est descendu. Clara, nous le bisou. Ponama, bisou. Tu ne vas pas entendre que c'est monté, c'est descendu. Oh, les gens sont partis, dit. C'est très, très rare qu'il y ait trahison à Nantes. Donc les Camerounais de Nantes sont soudés comme ça. Je vais t'expliquer. Pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? C'est ce que je parlais hier en parabole pour dire à Amélie que quand on a un commerce, on fait attention aux personnes qu'on côtoie. Amélie a une ambassadrice. Compresseur, peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est une personne qui est aimée. Les gens l'aiment beaucoup. Parce qu'à la base, elle est posée. Ce sont les réseaux sociaux qui la transforment un peu, mais les gens voient. Si Amélie s'arrêtait seulement avec Compressor, les gens allaient venir là où vous êtes partis pour l'événement de l'association. Mes étoiles, je vous explique. L'association, là, merci Ange, l'association, les femmes venues d'ailleurs, c'est une association qui n'a jamais tapé poteau à Nantes. Je fais leur publicité. Parce que je connais cette association. L'association des femmes venues d'ailleurs là, ce n'est pas la première fois qu'elle prend une salle. L'association là n'a jamais tapé poteau. À chaque fois qu'ils organisent un événement, tout Nantais là-bas. Vous avez gâté l'événement de l'association parce qu'on a dit aux Nantais que vous serez là-bas. C'était leur 10e édition. Ils ont pris la salle la plus chère de Nantes. La salle de Pimille où vous étiez là, c'est une salle qu'on ne loue plus. C'est l'une des salles les plus chères de Nantes. Pour avoir la salle là, il faut souvent attendre un an. L'association venue d'ailleurs a loué cette salle. Parce qu'elle se disait que grâce à vous, vous allez ramener du monde. Mais comme cette association, merci Natacha, merci, oui, mes produits sont très bons. Regardez-moi le matin. Le seul bouton que j'ai, c'est ça. Regardez-moi le matin sans filtre. Cette association, merci Claire, elle a loué cette salle, la grande salle là, parce qu'elle s'est dit que comme les influences. Loulou? Je voulais voir. Attendez, je veux parler. Libérez les cœurs, mes étoiles. Voilà, je ne veux pas qu'on voie le Mouna, sinon le père va m'engueuler. Ce n'était pas la soirée de mien, elle était juste invitée. C'est ce que je dis. Ouais, Shane, je n'ai pas encore fini mon étoile, ne t'inquiète pas. C'est ce que je dis. Eve, je ne peux pas trop entrer dans la stratégie d'Amélie. Ça, c'est sa stratégie de marketing. Je vais décortiquer plus la partie d'Amer Kamer. Je respecte le travail des autres.
Donc, je ne peux pas trop épiloguer sur Amélie. Je préfère épiloguer sur Amé Kamé. C'est ma cible. Donc, les femmes venues d'ailleurs, là, d'accord? L'association Les Femmes Venues d'ailleurs, quand elle a entendu que les influenceurs vont être là, elle s'est dit que vous allez ramener du monde. Et ils sont allés prendre la grande salle. La grande salle, il n'y a pas de souci, Chani. La grande salle de Pimil. La salle, c'est une salle comme ça. Quand les gens de Nantes, les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine, que vous serez là-bas, ils ont boycotté la soirée. Je dis que tous les gens de Nantes ont dit qu'ils ne viennent pas. C'est pour ça que la salle de Pimil était vide. Je ne suis pas fière pour ce qui vous est arrivé. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Tout nous rattrape dans la vie. Quand tu poses de bonnes actions, ça te rattrape. Tu poses les mauvaises actions, ça te rattrape. On vous a boycotté parce que ta copine et toi veniez à la salle de Nantes. Ils ne voulaient pas vous... Loulou, attendez mes étoiles. Je ne veux pas que tu viennes dans la vidéo. Papa, essaie de l'enlever. Hein? Non, n'enlève pas. Ah, si, tu as essayé de l'enlever. Dis la vérité. T'as essayé? Attends. Alors, laisse, elle va cliquer. Tu sais pourquoi elle fait ça? Parce qu'il y en a une qui bouge derrière. Va voir si papa peut te l'enlever. Demande-lui s'il peut enlever. D'accord? Attendez, mes étoiles. L'enfant, là. Viens, tu reviens. Lorenzo, le grand prêtre, tu reviens. Tu appelles qui par son nom? Tu connais trop mon nom. Tu veux manquer de respect à qui? Je te bloque. Je suis ton égal. Non, mais... Donc, quand les gens de Nantes ont appris que vous êtes en train de venir là-bas et que ta copine va chanter et que toi, tu seras là-bas, vous avez mis la stratégie où on ne met pas ta photo dans le flyer parce que tu sais que tu es détesté. Toi-même, tu savais que si c'est même ta photo qu'on mettait, le peu de personnes qui avaient à Pimil, personne ne serait venu. Hein? Tu veux un papier? Tiens. Attendez mes étoiles. Personne ne serait venu. Mais dès que les gens de Nantes ont entendu que ta copine qui insulte les mères des gens, les pères des gens, les enfants des gens sera là-bas, les mamans l'ont refusé de se mélanger à vous. Les pères ont refusé de se mélanger à vous. Mais qui retire pas maintenant? Qui retire pas maintenant? Vous avez vu le petit là, les étoiles? Simo Sandrine, vous avez vu? Pardon, dites-moi, vous savez comment je veux pas que les enfants sortent à la caméra? C'est pour ça que je n'aime pas faire les lives à la maison. Donc, les gens de Nantes ont refusé de se mélanger à vous. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau parce que les gens ne veulent pas coller leur image à vous. Les gens ne veulent pas se coller à vous. Parce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ils ne considèrent pas que c'est potable. Ok, Chalina? Ils considèrent que c'est sale. Amé Kamé, tu as une mauvaise image. Les gens ne t'aiment pas. Si tu ne fais pas l'effort de te rattraper, tu vas voir. Tu dis que oh, c'est moi qui ai dit au DJ de vous. C'est-à-dire, je te promets sur tout ce qui m'est cher, que si je ne voyais pas la vidéo chez la reine mère bio, de ta femme, de ta copine en train de chanter, je ne me souvenais même plus que vous aviez un événement. Vous pensez sincèrement que comme vous dormez sur les lives des gens, les pages des gens, les gens sont au courant de vous. Hein? C'est chez la reine mère bio que j'ai vu que vous étiez à Nantes. Et c'est après que Nantes m'a appelé. L'organisateur d'une soirée à Nantes m'a appelé pour me dire ce qui s'est passé. Dis que je mens. Les gens ont refusé. Vous avez gâché la vente privée d'Amélie. Elle sait que c'est vrai. Et là où elle est, elle regrette. Si elle partait à sa vente privée seule avec compresseur, elle n'allait pas taper poteau. La tête de ta copine et toi a boycotté l'événement d'Amélie. Les Nantais aiment les ventes privées. Les Camerounais qui sont à Nantes adorent les ventes privées. Parce qu'ils se retrouvent, mais ils aiment les ventes privées où il y a les personnes bien éduquées, les personnes potables.
Amélie, excuse-moi de te dire ça. C'est toi qui as associé ton image à eux, donc je suis obligée de parler de ça. Les gens ont boycotté ta vente privée à cause des deux éléments que tu as mis dans ton événement. Amen, Kamé, tu vois, la réalité et le virtuel sont deux choses bien différentes. La réalité et le virtuel. Mais à travers ton virtuel, on peut définir qui tu es, ce que tu es capable de faire. Vous pensez que ce qu'on fait sur la toile ne nous rattrape pas, ça nous rattrape. Il faut faire très attention. Si les gens, certains blogueurs sont en train de nettoyer leur image, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont compris que même en gagnant la visibilité, ce qu'ils ont fait avant est resté. Et aujourd'hui, ils se battent pour sortir de là. Pendant que ceux qui nous ont précédés là se battent pour sortir de la saleté, vous voulez ramener la nouvelle génération dans ça. Faire croire aux jeunes que pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut insulter les gens, il faut être faux, il faut être en conflit. Il faut être en conflit. Vous faites croire aux jeunes que vous ne pouvez pas faire de blog sans nuire, sans détruire. Amen, Kamé, on peut faire un blog en famille sans détruire. Tu gâtes tout ce que tu touches. Toutes les personnes que tu côtoies ont ton négatif après. Tu ne gardes pas d'amitié, tu ne respectes pas les liens amicaux. Tu crois que quand tu es venu chez Vombi, quand tu es venu dans le magasin Vombi nulle part ailleurs, qui est placé à Nantes à la place du buffet là-bas, tu crois que les gens ne savaient pas que tu étais là-bas? Ils ne nous ont pas vus là-bas. Les gens de Nantes t'ont vu avec ta soeur camerounaise, avec le sourire aux lèvres. À la fin, tu es parti insulter ta soeur camerounaise. Tu crois que les gens de Nantes ont aimé ça? Je suis l'enfant de Nantes. Je dis que toutes les mamans de Nantes même, je ne connais pas une qui me déteste. Et c'est comme ça qu'on s'aime nous tous là-bas. À Nantes, vous n'allez jamais entendre qu'un Camerounais a empoisonné son frère. Vous n'allez jamais entendre que quelqu'un est sorti de ce magasin, on a mis le poison dans son verre. Jamais. Il n'y a jamais eu ça. Chez nous, à Nantes, on est comme les enfants du même ventre. Aller à Nantes. À Nantes, c'est je te croise dans un restaurant. Je te dis bonjour. Pendant que nous sommes en train de blaguer, je te dis que mon frère, j'ai fait le bouillon à la maison. Viens boire. Attendez mes étoiles, les enfants d'abord. Je vais faire après lui. Oui, fais alors. Donc, je te dis que à Nantes, quand tu croises quelqu'un, à peine tu l'as croisé, tu lui dis que mon frère, comme tu vois là, j'ai fait le bouillon à la maison. Tu t'ennuies là, pourquoi? Viens, on va manger à la maison. La personne boit ton bouillon, elle finit, elle rentre chez elle. Julienne, bisous. Nadine, bisous. Merci beaucoup, Nadine. Il n'y a pas de que je suis allée boire le bouillon chez tel. Kala, bisous. Je suis allée boire le bouillon chez tel. Il y a une étoile là qu'on appelle Coco Pretty. Coco Pretty est de Nantes. Elle va vous dire que ce que je dis est vrai. Amélie, que tu peux aller chez les bottes là parce que tu veux la ruiner là. Elle est de Nantes. Elle va te dire qu'à Nantes, on n'aime pas les problèmes. Les Nantais ne se prennent pas la tête. Les Nantais cherchent leur vie en bain. Venir prendre ce qu'ils sont venus chercher, rentrer au Cameroun en paix. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des Camerounaises qui sont à Nantes sont mariées. La plupart des Camerounaises de Nantes sont dans un foyer. Même qu'elles ne sont pas mariées, elles sont en couple. Et la plupart travaillent. Les Camerounaises de Nantes n'aiment pas le chômage. Elles travaillent toutes. C'est rare de voir une Camerounaise à Nantes qui ne travaille pas. Si tu vois une Camerounaise à Nantes qui ne travaille pas, mon étoile, elle n'a pas le kaolo. Sinon, toute là-bas. Tu vas entendre que je fais le ménage au CHU. Oh, je travaille dans telle société. Oh, je suis secrétaire ici. Elles ont toujours un boulot. Même quand elles viennent d'arriver, c'est comme si cette ville est bénie pour elles. Les gens qui viennent souvent gâter les provinces, les villes des provinces comme nous là, ce sont les gens de Paris. Certains gens de Paris. Quand ils arrivent avec leur néga, leur destruction, leur esprit diviseur, ils gâtent tout. Nous, on bosse fort, merci Claire. Donc, tu venais amener ton poison à Nantes et tu croyais qu'on allait bien t'accueillir. Tu dis qu'on a boycotté le micro de Poil aux aisselles. Je ne vais pas parler de la prestation de Poil aux aisselles. J'ai fait une blague dessus vite fait. Ça peut arriver. Mais dis-moi, vois, on a boycotté son micro. Pourquoi on ne vous a pas acclamé? Pourquoi on ne vous a pas acclamé? Parce que les Nantais n'étaient pas contents de vous voir. Il y avait une artiste qui était annoncée
pour l'événement des femmes venues d'ailleurs. Cette association qui aide beaucoup de gens au Cameroun depuis des années. Les gens connaissent les femmes venues d'ailleurs. L'artiste qui était annoncé, je ne sais plus comment elle s'appelle, si c'est Coton, Ruth Coton, un truc comme ça. C'est elle que les Nantais attendaient. Les Nantais ne savaient pas que vous allez venir à cet événement. On vous a introduit à cet événement. Et vous avez gâché la soirée des femmes venues d'ailleurs. Quand les Nantais ont appris que vous deux, le couple toxique des réseaux sociaux, sera présent à cet événement. Merci Claire, grande association. Vous avez entendu. Quand les Nantais ont appris que quoi, le couple toxique des réseaux sociaux là, sera à cet événement, chacun s'est désisté. Chacun s'est désisté. Et c'est pour ça que vous voyez la salle est vide. Faites attention à votre comportement. Au lieu d'encourager ta soeur camerounaise poil aux aisselles dans les clashs, encourage-la dans son métier. Lave son image. Aide-la à sortir de tout ce qui est sale. Vous croyez que Facebook, c'est la racaille? Qu'on nous aime seulement qu'on insulte, c'est faux. C'est tel que tu dresses ton lit que tu dors. C'est parce que vous avez montré cette image-là qu'aujourd'hui, si vous n'insultez pas, les gens ne viennent pas. Parce qu'ils savaient que dès qu'ils viennent, ils veulent les insultes et vous avez attiré ceux qui aiment les insultes. Aide ta copine parce que tu ne lui fais pas du bien en l'encourageant dans le désordre. Aide ta copine qui dit qu'elle fait la musique parce que je sais ce que c'est la musique. Moi, j'ai arrêté parce que ça m'a dépassé. Mais elle est encore tenace dedans. Aide-la à sortir de la saleté. Une femme qu'on voit toujours en train d'insulter, ce n'est pas une bonne image. J'ai dit que même si elle chante bien demain, les gens vont se souvenir de la bouillabaisse qui sort de sa bouche. Quand un homme entre dans la vie d'une femme, c'est pour chasser le négatif qui est en elle. C'est pour l'aider à nettoyer son parcours de vie. Toi, tu es entré dans la vie de cette fille qui était déjà la poubelle. Tu as seulement agrandi ça. Tu ne l'aides même pas à sortir de là. Tu l'encourages dans la saleté. Elle-même t'encourage dans la saleté. À un moment donné, si tu es un ivrogne et tu te mets en couple avec un ivrogne, vous serez seulement le summum de l'ivrognerie. Soit il y en a un qui est intelligent et qui va se battre à sauver l'autre, soit vous deux, vous êtes dans la perdition. N'essaie pas de vouloir faire les lives en disant « Quand je vais arriver à Paris ou bien ou là, je vais vous faire ça propre. » Les Camerounais sont fatigués de nous voir nous donner un spectacle sur les réseaux sociaux. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Parce que quand tu vas venir faire le buzz en faisant des insultes par rapport à la soirée, le lendemain, tu donnes quoi à tes abonnés? Tu vas toujours venir créer un nouveau concept. Comme tu es parti à la télé là-bas, tu es parti voler le concept d'accueil ouvert. Maintenant, toi aussi, quand tu as vu comment les arrangeurs font avec elle dans la télé que tu as insulté, tu es aussi venu nous sortir que tu vas faire la télé. Ça, c'est bien. Mais pourquoi tu ne continues pas dans ce concept-là? Ce n'est pas mauvais d'imiter le bon exemple. Pourquoi tu ne continues pas? Quand j'étais montée dans ton live où tu montrais, je croyais que tu allais sortir. C'est-à-dire tu ne connais même pas ce que tu es capable de donner, cher grand frère. Tellement il n'y a rien là-dedans. Le concept de télé que tu es parti voler une fois que tu es passé sur le plateau de Tata Lolo là. Hein? Le concept de télé là, est-ce que tu sais que pour un homme comme toi, ça pouvait t'aller? C'est-à-dire comme même celle qui t'accompagne n'a rien dans la tête. Elle est incapable de te dire que c'est quand tu es dans ce concept-là qu'on voit l'homme. Le jour où je suis montée dans ton lit, il t'a dit que grand frère, la télé de l'heure, tu n'as pas compris le message que je te passais? Quand je t'ai encouragée en te disant, Amé, le tout, si c'est le vrai tout, tu ne sais pas dit, quand on est né pour perdre, c'est quelque chose. Quand toi-même, tu pars regarder le concept de télévision que tu voulais faire, tu ne vois pas que ta place est là-bas? Tu ne trouves pas que ta place fait sale dans les insultes? Ta copine est incapable de te dire que moi-même, mon mari, quand je te vois dans le concept-là, j'ai l'impression que ça peut aller. Elle est incapable de te dire ça. Parce que vous êtes un couple de perdants. Et vous êtes perdants parce que vous aimez le négatif. Vous êtes perdants parce que vous n'êtes pas en train de vouloir batailler pour vous en sortir, mais pour essayer de compétir négativement avec les autres. J'ai entendu ta copine dire à la reine Mère Bio que quand je serai, ils vont voir. Non, on n'essaye pas de devenir quelqu'un pour que les autres voient. On essaye de devenir quelqu'un pour se surpasser nous-mêmes. On essaye de devenir quelqu'un, Boma Danger, le village brille, Marifique, le village brille.
On essaie de devenir quelqu'un pour arriver à atteindre nos objectifs, pas pour rendre les gens jaloux. À chaque fois que tu te bats pour essayer de nuire aux autres, tu veux réussir parce que tu crois que les gens seront jaloux de toi, ça ne donne pas. Ça veut dire que tu es en train de faire les choses pour prouver. Tu es en train de vouloir avancer pour les autres. On avance d'abord pour soi-même. Parce que la réussite est d'abord personnelle. Merci Chemina, merci Julienne. Amen, Kamer, ressaisis-toi. Un homme comme toi qui a une image aussi sale, ça fait pitié, grand frère. Je pensais que tu avais quelque chose. Je t'ai connu dans les débats politiques. Je ne savais pas qu'à part les débats politiques, tu insultais les mères des gens, les pères des gens. Et quand tu es dans les débats politiques, même si tu ne les maîtrises pas totalement, on a envie de te donner un peu de crédit. Je ne sais pas ce que tu fais dans les jupons des femmes. Voilà une télé qui pouvait t'amener loin. Tu faisais les placements de produits. Amélie pouvait te payer pour faire les placements de produits dans la télé que tu veux faire. Quand tu fais les petits placements qui passent là, tu ne sais même pas ce que ça peut donner. Amélie va te payer, telle va te payer, l'autre va te payer. Mais non, tu es éparpillé. Parce que tu ne sais plus où aller. Tu es sans direction. Et tu sais pourquoi tu es sans direction. Tu es sans direction parce que tu sens que tu veux faire ta télé, mais tu as gâché tout ton parcours. Les gens qui pouvaient venir te soutenir dans la télé, tu les as insultés. Les gens qui pouvaient venir te soutenir dans la télé, tu as gâté l'amitié avec eux. Tous les gens que tu as côtoyés, tu t'es gâté avec eux. Tout le monde. Dans la vie, on a... Oui, mon cœur. Papa, il a enlevé ta dent. Tendez mes étoiles. Tu veux me montrer quoi? Bravo. Bravo, va cracher alors. Maman, est-ce que tu as encore le verre d'eau salée? Oui, je vais te donner. Attends, viens pas, chérie. Faut pas qu'on te voie. Qu'on te voie. Et que j'ai dit que faut pas qu'on te voie. Pardon, mes petites soeurs. On ne dit pas faut pas qu'on te voie. On dit faut pas qu'on te voie. J'aime trop dire ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un lapsus. Et je dis qu'il ne faut pas qu'on te voie. C'est quel français, ça? Mon frère. Est-ce qu'il y a deux ailes? Est-ce qu'il y a deux ailes? Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas qu'on te voie. Tel débat politique avec la méchanceté. Céleste, des fois, il a les débats qui font... Merci, Angèle. Ne venez pas, il ne faut pas qu'on vous voie. D'accord? Mes étoiles, de toute façon... Loulou! Va aller cracher! Va cracher dans les toilettes, faut pas qu'on te voie ici. En plus, t'es encore en pyjama. Jude, bon. Non, t'inquiète, Jude, c'est le même. Je te mens pas que. J'ai fait ça parce que je suis une connaissante. Tu comprends mon étoile. Je dis que quand Nantes m'a appelé pour me raconter ce qui s'est passé, je n'ai pas eu mal pour eux. J'ai eu mal pour la dame qui les a fait venir. J'ai eu pitié pour Amélie. Voilà. Parce que si elle avait fait son événement avec l'ambassadrice compresseur, elle n'aurait pas tapé pour toi pour la vente privée. Voilà. Elle investit son argent, elle a besoin de récupérer. Et quand tu colles ton image à n'importe qui, eh ben moi, j'en ai payé les frais. Non, on ne dit pas, faut pas qu'on te voie, mon frère. Je ne te mens pas. Vois, on dit vois, va te renseigner, te promets, c'est un lapsus. Les Sénégalais luttent, changent leur pays. Vous venez nous raconter vos vies ici, n'importe quoi. Nelson Rabat, va alors sur les pages des gens qui sont en train de lutter pour leur pays, non? Hein? Quand on lutte pour notre pays, là, est-ce que tu nous vois? Tu sais combien de fois on a lancé les débats pour lutter contre les problèmes de notre pays? Hein? Même le journal télévisé que tu regardes, le journal de la télé, là, tu n'as pas remarqué que il y a un temps où on te parle des faits de société et un temps où on te parle un peu d'humour. Hein? Parce que la vie n'est pas faite que de tristesse. Tu veux m'épouser, mon étoile? Ngué, tu es mariée. Donc, la vente privée a tapé pour toi. Flore Magina. La vente privée n'a pas forcément totalement tapé pour toi, mais c'est les gens qui devaient partir savaient que c'était... Elle avait collé son image à ces gens-là. Ils ne sont pas partis. Il y a plein de filles de Nantes qui ne sont pas parties. Ta petite jolie tête. Merci, mouf, mouf. Mes étoiles, n'oubliez pas. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Je voulais faire un bon live, mais avec les enfants à la maison, ce n'est pas évident. Pour passer vos commandes, attends Loulou, s'il te plaît. Pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04. Vous voyez, je vous promets, en fait, il fait exprès. Non, mes étoiles, le Mounassier, il doit exprès, regardez. Il est d'abord venu là, j'ai vu sa tête, j'ai caché, non.
Maintenant, comme il voit que moi, je suis plus ici, il vient maintenant encore par derrière parce qu'il veut être star. On peut faire ça. On peut discuter la Starmania. Pour passer, regardez le teint de l'étoile caribienne le matin, sans filtre, naturel, en mode naturel. Je n'ai pas encore pris ma douche. J'ai fait grasse matinée. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, prenez le numéro de la représentante de Belgique sur ma photo de page l'étoile cribienne. On livre partout. Il y a la gamme Cribiclair, la gamme 21 Jeux Éclat Plus, la gamme Royal Brillance. Nous avons également les sacs à main dans le site. Nous avons les produits. Ah, mais si ça, après, il veut que tu t'occupes de... Oui, Julienne, il est... Le père est là, non? J'ai lancé le live parce que je me suis dit que comme le pâté est là, ils vont coller leur père. Mais comme c'est comme si on n'a pas coupé le cordon, c'est toujours moi qui s'appelle. Des fois, ça m'énerve, mes étoiles. Je ne finis... la plupart du temps, je fais mon live, je mets toujours ma publicité. C'est normal, je travaille mon étoile. Franchement, ces soi-disant artistes a-t-il les mauvaises ondes dans tous ces clashs? C'est ça. Le problème, c'est que elle ne veut pas prendre ce bon côté et changer. À vrai dire, je vais vous dire une chose, hein, mes étoiles. Nous sommes tous des Camerounais. Ça sert à rien de se haïr. Demandez des conseils si elle veut qu'elle écoute. Qu'elle arrange son parcours. Si elle aime la musique, nous tous là, même si chacun dit quoi, quand ce sera sa musique, on va dire que, ok, bonne chance. On soulève. Quand c'est elle-même, on ne la gère pas. Mais elle ne peut pas réussir dans la musique, dans le milieu des Camerounais avec sa grande gueule négative. N'oubliez jamais ça. Les mamans camerounaises n'aiment pas la mauvaise éducation. Je le dis, il y a les femmes qui sont là, qui nous regardent. Elles ne parlent pas, mais elles nous observent. Et derrière, tu ne sais pas qui est caché. Ça peut être un producteur, ça peut être un recruteur, ça peut être quelqu'un qui a un projet pour toi. Ta façon de te comporter sur les réseaux va pousser ce quelqu'un à t'appeler ou alors à dire « Je préfère aller donner la chance à un Sénégalais ou un Ivoirien alors que c'est une Camerounaise. » C'est très important. C'est une honte qu'on ne veuille pas coller l'image, les gens ne veuillent pas coller leur image avec vous. C'est une honte. Dans d'autres pays, quand Emmanuel Keta arrive à l'aéroport, les Ivoiriens sont contents de faire les vidéos avec elle. Quand elle arrive à l'aéroport, quand il vit des héros, elle a les Ivoiriens, Apoutou National, qui était blogueur avec nous. Vous avez vu comment Apoutou est sorti des clashs. Regardez comment la Côte d'Ivoire l'a soulevé. Aujourd'hui, Apoutou salue les ministres. Apoutou entre au palais de son pays. Parce qu'à un moment donné, ils ont préféré perdre le nombre de vues et garder plutôt la qualité. Vaut mieux que 300 personnes te regardent plutôt que 300 personnes vraies, sincères, plutôt que 1000 qui ne te servent à rien. Ils veulent seulement te voir dans ce qui est sale. Ma chérie, tu crois qu'en nous insultant, ça te fait du bien? En insultant tes aînés sur la toile copieusement, ça veut dire que tu es forte. Elle aime quand on dit que, est-ce que vous savez que celle-ci, sa bouche peut casser une maison. Elle prend les ailes. Non. Le jour où on va me dire que les insultes de l'étoile cribienne, maman, il n'y a pas son deux, je quitte Meta. Le jour où on va me dire que l'étoile cribienne, il n'y a pas ton deux dans les insultes, je quitte Meta. Ce n'est pas ce que je veux comme étiquette. C'est pourquoi je vous dis toujours, même dans les insultes-là, beaucoup ne me peuvent pas. Parce que quand tu es Camerounais, tu as ce petit côté de désordre. Mais quand je me rappelle que j'ai les enfants, quand je me rappelle que j'ai une famille, j'ai ma maman qui est vivante, mes frères et sœurs, je temporise. Parfois, vous m'énervez tellement, j'ai envie de dire plein de méchanceté. Je dis que, hey, si mon enfant à 10 ans tombe là, je fais comment? Si mon enfant à 18 ans, il se présente dans une élection, lui dit que ta mère, c'était comme ça. Voilà le travail de ta mère sur les réseaux. Je dis que je sais quoi. Donc mieux, je temporise. Il n'est pas tard pour changer le bloc. Il n'est pas tard pour vous améliorer. On a vu nos grandes soeurs ici, en toute sincérité. Elles étaient à fond. Mais aujourd'hui, elles nous disent qu'elles sont fatiguées. Elles veulent aujourd'hui une autre image. Elles sont contentes d'aller dans les conférences. Même si elles ont des petites lacunes, on sent la volonté de vouloir faire ce qui est bon maintenant.
D'autres font des événements où elles remplissent les salles. C'est ça qu'on veut maintenant. De temps en temps, on peut se chanter, mais dans la limite du raisonnable. Tu ne peux pas chanter quelqu'un, tu insultes sa maman, tu insultes ses entrailles. Même si c'est comment, attaque-toi à la personne. Et quand tu vas insulter la maman d'une personne sur les réseaux sociaux, tu vas arriver à un événement, on va dire à la maman là que voilà la fille qui avait insulté la maman, la femme là va dire que la fille qui avait insulté ma soeur mère là, non, je ne parle pas à son événement, merci Flore. Il n'est pas tard. Sur TikTok, vous êtes détesté. Vous venez mentir aux gens sur les réseaux sociaux que vous êtes aimé. Amer, Kamer, tu le sais, que même sur TikTok, tu n'es pas aimé. Tu es arrivé sur TikTok, tu as ramené le même système de clash. Il n'y avait pas le clash des Camerounais sur TikTok. Sur TikTok, quand tu venais créer ton compte, tu savais que tu dois créer un contenu. Allez regarder toutes les pages des Camerounais sur TikTok avant l'arrivée de ces deux-là sur TikTok. Vous allez voir que c'est du contenu. Il n'y a pas un Camerounais qui n'avait pas le contenu. Vous regardez le nombre de vues qu'ils ont eues à travers leur contenu. Vous allez voir que les gens cherchaient la qualité. Après un moment, j'ai découvert qu'on clash sur TikTok quand les deux s'y sont arrivés, que le ciel m'en soit témoin. J'ai demandé un jour à ma collègue que mais, dans un clash aussi sur TikTok, je n'étais pas au courant. Il fallait les voir. Ils voulaient à tout prix dominer dans le négatif. Se faire connaître dans le négatif, ça vous a amené où? Ils sont partis provoquer les Ivoiriens. Tant qu'on coupait leurs vidéos, ils étaient contents, même si on les insultait. Ils se disaient que ça va nous faire connaître. Amer Kamer voulait être Bob Lee. J'ai dit à Amer Kamer que quand tu dis de ta bouche que tu veux devenir Bob Lee, tu connais la fin de Bob Lee, non? Bob Lee aimait les insultes. C'est-à-dire qu'il t'attaquait comme il voulait. Et tu pouvais écrire, ne te bloquais jamais parce que ça ne lui disait rien. Bob Lee savait que son destin était scellé. Donc toi, Amer Kamer, tu sais aussi que ton destin est scellé. Toi, tu sais que ton destin est scellé. Dis-nous, si tu sais que ton destin est scellé, laisse donc cette fille-là tranquille. Parce que franchement, un père comme toi, quand tu entres dans la vie d'une personne, tu es plus vieux. Tu dois quand même pouvoir accompagner cette personne dans ce qui est bon. Tu es quel genre d'homme? Un homme qui est toujours là pour encourager la médiocrité. Un homme qui clash sa femme est à côté. Il encourage dans le clash. C'est quelle vie ça? Donc je voulais vous dire que vous n'êtes pas aimé. Changez. Mais c'est toi, je vais devoir vous laisser. Je ne peux pas rester malheureusement. Merci, je vais vous laisser. Je voulais juste vous dire qu'ils ont tapé poteau parce que les gens ne voulaient pas associer leur image à eux. Voilà pourquoi ils ont tapé poteau. La salle était vide. Chérie, je coupe 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes juste, mon cœur. Donc voilà, je vais vous laisser mes étoiles. Le père doit prendre son petit déjeuner. C'est la grâce matinée. Léa, bisous. On va faire le live la prochaine fois. Bisous, bisous, mes étoiles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.